IBM, société internationale spécialisée dans le domaine informatique, continue de faire ses preuves. La Robank, qui bénéficie de ses services, s'est dit satisfaite au regard de l'amélioration de ses prestations de services, ainsi que des économies notables en sécurité et en énergie. Ils ont répondu à nos objectifs également pour les 10 ans venant. Avec le plan que nous avons d'augmenter nos agences et qu'il y a un rapide inflow des clients vers la Robank, nous devons être capables de resservir non seulement les utilisateurs Robank de nos systèmes, mais éventuellement aussi les clients. Nous avons fortement augmenté le nombre de transactions que nous pouvons processer par jour. Nous avons assuré la sécurité pour notre clientèle. Et avec l'apport de IBM et la fiabilité de leur système, je pense que nous sommes tout à fait en mesure de correctement servir notre clientèle pour les années à venir. De leur côté, les responsables d'IBM restent impressionnés par la recherche de l'excellence de la Robank. Impressionné par votre souci de la qualité du service aux clients. Je pense que c'est remarquable et je pense que ça a été ce qui a motivé vos choix d'investissement. C'est ce qui a motivé votre décision d'adopter une solution de niveau international, de par ses fonctionnalités, de par sa fiabilité, de par sa sécurité et également, comme vous l'avez bien dit Mustapha, de par sa capacité à vous accompagner dans un développement et une croissance importante dans les années à venir. Il faudrait noter que la Robank peut offrir désormais beaucoup plus de services à ses clients, plus fiables, mieux sécurisés et tout cela via l'Internet mais également sur mobile. La Robank va également augmenter le taux de bancarisation en RDC.